Bonjour tout le monde et bienvenue dans Guitar Vibration. Alors aujourd'hui, petit test de culture musicale, un blind test mélomanique, on va dire. Je vais jouer 10 morceaux et vous devez les reconnaître. Voilà, la petite difficulté, c'est que même si ces morceaux sont assez connus, ils appartiennent à des répertoires complètement différents. Voilà, donc on va voir aux commentaires qui va avoir les 10. C'est parti. Premier morceau. Vous l'avez? Très bien. Deuxième morceau. Oui, je sais, il y en a qui vont penser, c'est abusé, mais bon, je suis désolé. Alors, troisième morceau. Oula, est-ce que je vais encore arriver à le jouer? Facile, hein. Voilà, ça se finissait comme ça. Quatrième morceau. Bon, là normalement, si vous connaissez, vous l'avez déjà depuis les trois premières notes. On continue, cinquième morceau. Simple. Alors, bon, c'est à peu près assez d'oreilles, mais normalement, si vous connaissez, c'est pareil, vous l'avez. Donc ça, c'était le cinquième morceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'était le sixième. Le septième. Le septième, je vais jouer que l'intro parce que jouer la mélodie, ce serait un petit peu facile. Donc, que l'intro. Je sais que ça va en faire rager plein parce qu'ils vont se dire « Ah oui, je reconnais, mais attends, tout ça !» et qui attendront la mélodie. Et non, je ne vais pas jouer la mélodie, ce serait un petit peu trop simple. Ensuite, neuvième morceau. Et dernier morceau. Et voilà, est-ce qu'on fait un petit morceau? Là, il y en a 10 là. Est-ce qu'on fait un petit morceau bonus? On fait un petit morceau bonus.
Petit morceau bonus parce que je ne peux pas faire vraiment un top 10 sans jouer ce type de morceau. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, la petite vidéo de Noël. Attendez, ah, c'est nul. Normalement, je devais tout faire avec le bonnet du Père Noël. En même temps, il est complètement chum, ce bonnet. Voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt sur Guitare Vibration. Et puis voilà, je vous aime. Et salut.